les libéraux envoyaient les détenteurs de billets de location se battre sans armes dans une forêt dense comme celle-ci. Il fallait un courage héroïque pour entreprendre d'explorer un terrain recouvert d'une végétation aussi touffue que profondément enracinée. Les nouveaux venus faisaient appel aux colons déjà établis dans les environs et la corvée du défrichement commençait. Péniblement, pied par pied, ils faisaient reculer la forêt. La coupe terminée et ses amis éloignés, le colon restait seul devant un spectacle de désolation. Souches agrippées, chicots brûlés, véritable cimetière d'arbres sur une terre improductive. Les colons qui possédaient un cheval le prêtaient aux nouveaux arrivés. L'homme et la bête unissaient leurs efforts contre les restes tenaces de la forêt. Pour ne pas mourir de faim et luttant de vitesse contre la nature dans une trop courte saison, le colon entreprenait un impossible travail de labour à travers les chicots. Cette besogne terminée, il se met à pleine main dans une terre dont il ignorait la générosité et encore impropre à la culture. Vers la fin de l'été, les premières moissons venaient récompenser le colon de ses labeurs. L'aspect réjouissant de l'avoine et du blé sur une terre encore torturée, faisait éclater le triomphe de l'effort. Le colon pouvait d'autant plus en glorifier que le gouvernement libéral de Québec ne l'avait aidé d'aucune façon pratique. Ces temps furent révolus lorsque l'Union nationale prit le pouvoir. Sur des instructions de l'honorable Maurice Duplessis, le sous-ministre de la colonisation reçoit le curé de Rochebeaucourt un jour de 1937 pour arrêter les premiers plans de motorisation. L'Abitibi en vit les premiers essais. De puissants béliers mécaniques accomplissent maintenant le travail du défrichement pour le colon. Les machines avancent contre la forêt, poussant devant elles les arbres verts, comme s'ils n'avaient pas plus de racines que des bâtons plantés dans une terre molle. Pins, épinettes, sapins s'écrasent devant la force irrésistible des bulldozers. Les mêmes machines nettoient ensuite le sol des restes de la forêt et le colon voit s'accomplir en quelques jours une tâche qui, naguère, n'était jamais terminée. Le colon, maintenant aidé par le gouvernement de Québec, sourit devant les prémices de ses moissons futures. L'impossible devient praticable. D'énormes roches comme celle-ci, naguère immuables, sont maintenant ébranlées, déterrées et repoussées aisément par le bélier mécanique que le gouvernement de l'Union nationale met à la disposition des colons. Une fois le sol nettoyé des souches et des roches, se posait l'important problème du labour mécanisé. Le gouvernement de l'Union nationale étudia la question sous tous ses aspects et ne tarda pas à agir. En tenant compte de la nature variée des sols, il fallait concevoir et fabriquer des machines propres à fournir le meilleur rendement possible. Dans certaines régions de l'Abitibi, la terre est recouverte d'une mousse épaisse et aucune machine connue ne pouvait labourer assez profondément pour y rendre le sol arable. Les ingénieurs du ministère de la colonisation se mirent à l'œuvre. Une première, puis une deuxième charrue furent mises à l'épreuve et, finalement, on construisit un incroyable engin d'une force prodigieuse, une gigantesque machine
comparable pour ce travail à nul autre au monde. Deux énormes tracteurs nettoient le terrain devant la charrue créée par l'Union nationale pour ce labeur de titan. Le soc s'enfonce dans la terre à 4 pieds de profondeur et fait remonter à la surface la couche cultivable après avoir englouti mousse, racines, déchets. Cette machine, utilisée pour la première fois dans le Québec, a permis de récupérer des milliers d'acres jugés perdus par les libéraux. C'est peut-être la plus grande révolution des temps modernes dans les procédés de culture du sol en territoire de colonisation. La grande victoire obtenue par ce nouvel engin de travail, c'est sa victoire contre le temps. Désormais, le colon passe rapidement de l'état de pionnier à celui de cultivateur. Le défrichement et le labour ne sont pas les seules opérations de mise en valeur du sol qui aient été motorisées par l'Union nationale. Quand la terre est remuée et labourée, il faut en égaliser la surface en brisant les mottes qui nuiraient au semis. Le colon a maintenant à sa disposition des machines modernes pour hercer et semer. Dès la fin de la première saison, les moissons abondantes se balancent sur des terres neuves. Blé léger, avoine blonde, trèfle fleuri, foin serré et odorant, légumes frais pour la table de la famille, fleurs coquettes pour décorer la maison, tout cela qui réjouit le cœur du colon laborieux et qui enrichit un pays est un témoignage vivant de l'œuvre accomplie dans le Québec par l'Union nationale. Allègrement, le colon récolte sa riche moisson. Les céréales coupées par la faucheuse mécanique remplissent la charrette, dont les ridelles craquent sous la charge, qui va gonfler le ventre des granges, pour donner au colon la récompense pécuniaire de son labeur. Les moissons faites, on laisse chevaux et moutons paître dans les champs rasés. Le colon, esclave hier sous les gouvernements libéraux, est devenu un homme libre, un cultivateur authentique qui chaque jour ajoute au patrimoine de la nation. À quoi bon ouvrir de nouvelles terres? À quoi bon favoriser l'agriculture si l'on ne donne pas aux cultivateurs des routes conduisant aux grands centres commerciaux? Voici des ingénieurs qui étudient sur place les plans de construction d'une grande route rurale. Les plans indiquent quel sera le parcours de la route. Il faut ensuite tracer sur le sol accidenté, boisé, rocailleux, la ligne sur laquelle on posera le ruban de la nouvelle voie. C'est le travail de l'arpenteur. Une fois la ligne de la route marquée, la première tâche est de pratiquer les trouées nécessaires. L'Union nationale emploie à cette fin les machines les plus puissantes. Voici des scènes photographiées durant la construction de la route de Chicoutimi. Elles montrent jusqu'à quel point les libéraux mentent quand ils reprochent à l'Union nationale d'employer trop de machinerie dans la construction des chemins. Voici des forêts denses qu'on doit traverser. Imagine-t-on l'armée de bûcherons qu'il faudrait engager pour faire la même trouée dans un temps raisonnable? Il y a une économie évidente pour la province à donner à l'homme l'aide de la machine pour accomplir de telles tâches. Sur le chantier de construction, des ouvriers spécialisés préparent les foreuses pour le perçage des trous dans lesquels on mettra des charges de dynamite. Le travail de construction est en effet souvent arrêté par des barrages montagneux, par des falaises, par des accumulations de rocs. Plutôt que de les contourner en allongeant indéfiniment la route, ici encore, l'Union nationale préfère dompter la nature par le génie. Aucune machine, aucune persévérance ne pourrait avoir raison de ces obstacles. Il faut recourir au moyen radical de la dynamite. Les foreuses ouvrent la pierre, les charges sont déposées,
à l'aide de longues baguettes de bois. Les détonateurs mis en place, les ouvriers s'éloignent et le roc éclate, laissant le passage libre aux déblayeurs. Les rochers égrenés forment des accumulations de plusieurs pieds d'épaisseur sur de grandes distances. Les pelles mécaniques et les bulldozeuses rejettent ces pierres de chaque côté du tracé de la route. Elles forment le fondement d'un accotement solide, immuable, qui protégera la voie contre les infiltrations de l'eau et contre les intempéries. On voit ici encore jusqu'à quel point les libéraux se moquent du public en tentant de diminuer l'importance des travaux exécutés par exemple sur la route de Chicoutimi. Une fois le tronçon de route déblayé, les lourdes machines motorisées qui servent à la construction du chemin passent, en dépit des obstacles qui restent, sur un terrain boueux, défoncé, pour aller reprendre plus loin le même travail. Des béliers mécaniques entrent en scène pour niveler le tronçon déjà nettoyé, tandis que des grues soulèvent le surplus de grosses roches à bord de camions puissants. Ces camions, qui reculent avec autant d'aisance qu'ils avancent, font machine arrière vers les ravins qu'il faut combler pour la construction du chemin. Sable, terre, roches mêlées remplissent à vue d'œil les affaissements de terrain. C'est ainsi qu'à travers une région jugée naguère impassable, l'Union nationale a construit, grâce au travail mécanisé, une voie droite et solide. Les ruisseaux des montagnes déferlent librement sur la voie ouverte comme une rivière et transforment en une boue épaisse la surface terreuse. Là où la route est inclinée, se forment de véritables marais qu'il faut combler. Voitures, camions, outillages lourds s'acheminent péniblement sur cette route vaseuse, poussant toujours plus loin le travail commencé et la perfection du chemin. Les roues s'enlisent, mais les moteurs sont puissants. Les véhicules avancent. Là où il faut drainer plutôt que de remonter le niveau de la route pour la sécher, les bennes plongent dans la boue et la déversent sur les remblais. De chaque côté de la route s'écoule une véritable rivière, quelquefois torrentueuse. Il faut franchir un cours d'eau. Suivant les plans des ingénieurs, une équipe d'ouvriers élève de chaque côté des piliers de ciment sur lesquels on posera bientôt le tablier. Ce pont, qui enjambe une rivière assez large, est l'une des merveilles de la route de Chicoutimi, construite par le gouvernement de l'Union nationale. Sa construction s'effectue rapidement grâce à l'outillage moderne mis à la disposition des ingénieurs et des ouvriers. Et voici la route presque terminée qui ouvre au transport touristique et commercial de nouveaux horizons. Il faut parachever ce travail. Pelles et béliers s'attaquent à la dure besogne du nivellement définitif. Les collines sont aplanies, les vallons sont redressés, les fossés sont remplis. Sur tout le parcours règne une activité fiévreuse. Les engins de travail les plus modernes achèvent de donner à la voie tracée sa forme définitive.
Le long ruban prend nettement son allure de route à travers la nature sauvage de la région. Le lit de la voie est fait. C'est au prix d'efforts incroyables et grâce à la mise en œuvre d'un impressionnant ensemble de machines motorisées que ce résultat est enfin obtenu. Une telle réalisation eût été impossible au temps où les libéraux refusaient par pusillanimité de recourir aux moyens puissants du génie moderne pour accomplir des œuvres devant lesquelles le courage de l'homme seul, si indomptable fut-il, se trouvait impuissant. Dans une carrière au bord de la route, des grues remplissent des camions d'une terre pierreuse de laquelle on tirera le gravier. Les camions, lourdement remplis, vont verser leur charge dans des concasseurs gigantesques dont les tamis sépareront la terre et les pierres. Celles-ci, après avoir été concassées, seront de nouveau mélangées à la terre pour constituer le gravier résistant qui sera étendu sur le chemin. Des camions munis de plateformes à bascule transportent le gravier sur la route et l'y déversent également. Ici encore, la machine rend d'énormes services. Les plateformes des camions, régulièrement soulevées par le levier hydraulique, déposent en un rien de temps des tonnes de gravier dont d'autres machines égalisent aussitôt le tapis. La route, maintenant couverte de gravier, est prête à recevoir sa couche d'asphalte. Déjà cependant, les voitures peuvent y circuler. Ce nouveau boulevard, depuis si longtemps désiré, donnera au pays du Saguenay, tiré de son isolement, un essor économique aussi considérable sans doute que l'aura voulu le gouvernement de l'Union nationale en entreprenant cette incroyable réalisation. Importante confiée par M. Duplessis au ministère des Travaux publics fut de remplacer graduellement par des structures neuves et élégantes les vieux ponts branlants qui enjambent les nombreuses rivières du Québec. Le pont Hippolyte Lafontaine à Sainte-Rose, le pont Charlemagne à Montréal, le pont Duplessis aux Trois-Rivières sont de parfaits exemples des œuvres accomplies dans ce domaine par l'Union nationale. Le bref documentaire qu'on vient de vous présenter n'illustre bien entendu que quelques-unes des réalisations de l'Union nationale. La politique du gouvernement Duplessis s'exprime particulièrement bien dans le triple champ d'action de la colonisation, de la voirie rurale et des travaux publics. L'ouverture de nouvelles terres, l'amélioration des moyens de transport et la motorisation de la colonisation et de l'agriculture sont autant de façons pratiques d'accroître et d'enrichir le patrimoine national.